16. Un endroit étrange pour enterrer un trésor. Ben, pas vraiment. À l'époque où Avery a navigué jusqu'ici, l'endroit était déjà abandonné. Possible. En plus, avec l'énorme prime sur sa tête, ça lui faisait de bonnes planques. Et on se retrouve pour l'épisode 6 d'Uncharted 4. Ben, je pouvais vraiment plus le saquer. Et je suis presque sûr que lui non plus. J'étais en train de digérer ta mort, et avec toute sa frustration de ne pas trouver le trésor, je suis à peu près sûr qu'il était prêt à me tuer au moment où je suis parti. Imagine ce qu'il serait prêt à te faire maintenant. Je préfère éviter. Sam, écoute, il est impitoyable. Encore plus que quand on faisait équipe avec lui. J'ai entendu de ces trucs. Fais-moi confiance, toi aussi. J'ai plein de raisons qui me font croire que tout va bien se passer. Donc je disais, enfin, on reprend un peu donc la suite de nos de notre aventure avec Drake. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes pour filmer cet épisode. Il y a un bug sur ma console avec le jeu. Et tout simplement, il a crashé au moins 4-5 fois. Et du coup, bah là ça va être ma 6ème tentative et j'espère que ça va réussir. Du coup, amenera un petit peu cette vue. Qui est juste, voilà, magnifique, ce beau soleil. On est en Écosse, en période d'hiver, il me semble. Et donc, on va avancer. C'est un peu haut. Effectivement, c'est un peu haut. Et du coup, ouais. Bon, l'ayant déjà fait, il faut qu'on saute un peu en mode... Voilà, qu'on passe sur l'autre côté. Voilà, on passe par là. Et là, normalement, on s'accroche avec la petite corde. Ça, ça devrait tenir. Et c'est parfait. Allez hop, descends mon petit Nate. Parfait Nate. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Du matériel d'excavation. Shoreline? Quoi? Regarde. Je croyais qu'il cherchait près de la cathédrale. Bloque-toi! Ok, l'action est de retour. On n'a pas eu assez avec le bal. Vous allez en avoir encore plein là. En espérant pas trop bugger. Ah, lui est mort. Ouh putain. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cet épisode, je me défends de ma visée de pourri. Je suis en intermédiaire et c'est assez difficile. Est-ce qu'on peut avancer ou pas? C'est bon. Ouais. Moi aussi j'étais ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il nous attendait. Est-ce qu'il y a des petits trésors à voir? On cherchera après. Ce qui veut dire qu'on doit aller au cimetière et en vitesse. Exactement. Ok. Bon, ils ont dû prévenir leurs poteaux. Là, ça et me paraît. Vous n'avez pas pensé à chercher sous la cathédrale? Ah, si, on l'a fait. Un peu. Mais cet endroit est tellement grand que, franchement, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Est-ce que. Non, il n'y a rien ici. Ou chercher une aiguille dans un baril de poudre. Ouais, au vu des explosions qu'on entend. C'est vrai que il y va. Hein. ok, on va avancer. Tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Attends, regardez, il y a un petit cerf là. Alors tu crois qu'on va trouver une tombe où il y a écrit C.J. Henri Avery. Brave, pirate reconnu. Non, ça m'étonnerait. Je crois pas qu'il ait pris tant de précautions à cacher ses traces pour mettre son nom sur une pierre. Vu comment la map est faite, je sens bien le gunfight là. Pas vous? On va passer par là. C'est quoi cet endroit? La vie des moines était partagée entre plusieurs bâtiments, le principal étant à côté du cimetière. Plutôt sympa la déco. Encore des équipements de Shoreline. On a du bol, y a pas de gars de Shoreline. Ouais, je sais pas où ils sont, mais en tout cas nous on fouille un peu. On a envie de tout trouver. Si ça se trouve, ils se sont fait sauter la paillasse tout seul. Et alors y a-t-il des petits trucs à trouver? Ah si, effectivement, je me disais bien. Tiens, qu'est-ce que tu paries? Des explosifs? Oui, de la dynamite. Hé, hey, tu fais gaffe avec ça. T'inquiète pas, mon pote. Normalement, ça saute. Ça y est, j'ai ouvert la porte. C'était... Légèrement bruyant. J'espère qu'ils nous ont pas entendu. Ça explose de partout, alors ça passera peut-être inaperçu. Regarde,
On pourrait passer par le toit. C'est beaucoup trop haut pour nous. Il y avait une autre porte on là. On trouve un truc sur lequel grimper. Est-ce que ça vaut la peine de l'exploser ou pas? Je pense pas, mais. Non, pas la peine. On a rien oublié. C'est le plus important. Ah ouais, je sais pourquoi. Regarde, on pourrait utiliser ça pour grimper et sortir. Ok. On va devoir lancer. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Étant donné. Est-ce que j'ai encore de la dynamite? Pourquoi j'essaie de la lancer? Là, c'est impossible. Je me disais bien. Je n'ai plus de dynamite. Alors. Comment on fait c'est pas possible. lancer. Non, ça c'est désactivé, je suis d'accord. Assistance à la visée. Bah, désactivé. Baisser la force de l'assistance. Non, c'est. Je m'en fous. Fusée, corde, freiner. Ah, voilà, la grenade c'est R1. Désolé, frérot. Bye bye, la porte. Tu te démerdes bien avec ça. Tu sais, j'ai fait sauter pas mal de trucs dans ma vie. Allez, on va passer. Putain. La lampe qui me bloque le passage. Ça. C'est connu. Je veux dire, dans un des derniers épisodes de Hitman que j'ai tourné là récemment, j'ai eu un gros souci avec une lampe. Elle m'a bloqué. Et je vous dis pas, j'ai pas sauvegardé de toute la partie. C'est les types dont Nadine nous a parlé. Peu importe, les ordres sont les mêmes. On tire à vue. Par ici. Quelqu'un a fait péter cette porte. Ok. Et voilà. Boum. Ça, c'est ça. Ça, c'est de l'action, mec. Naro, putain merde. Ils sont partis par là-bas. Pratique cette zone. Compris. Ah, il est pratique le Sam. Ok, ça c'est parfait. Ok, celui-là est bon. Ok, le prochain il est là-bas. Ok, on va viser avec le flingue. J'ai plus de munitions. Moi je suis en mode Rambo. Je tire tout sur tout ce qui bouge. Ok, on récupère pas mal de trucs. C'est toujours bon d'avoir un bon stock. D'accord, bien joué. Ça aurait pu mal tourner. Ouais. Allez, on se tire d'ici avant que quelqu'un s'en aperçoive. Allez hop, on prend notre petite caisse, on y va. Allez, c'est parti. Par contre, je suis très maniaque sur ça. Regardez, on passe dans la neige. Alors, on a les traces de pieds de Nathan, mais on n'a pas les traces de la bobotte. Je trouve ça très mal fait, sachant que Tom Rider le fait. Hein. Quand même qu'ils aient oublié ces petits détails. Allez, on y va. Ça me déroute. Enfin bref, le jeu est déjà parfait en soi pour moi, donc même si c'est pas le meilleur, il est parfait pas en tout point, sachant que j'ai enfin trouvé le premier bug sur le jeu. En escalade, tranquillement. Je peux lancer mon grappin. Ouais, voilà. Non. Oui, vas-y. Je voudrais bien atteindre ce truc, mais bon.
Tant pis, vas-y, lance ton grappin. En parlant de grappin, ça me fait penser au jeu que je vous avais promis, Just Cause 3, que je ne pourrais pas du coup faire, malheureusement. Allez, on va se lancer. Ah là, je me disais bien, c'est bien ce côté-là. À toi, tu crois que c'est dans tes cordes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui t'ai tout appris. Ok, vas-y, je te regarde. Le petit frère qui troll le grand. Non. Oh non. Nathan. Ouais, bah le petit frère, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc là... Ok. C'est parti. Sam, il y a une échelle que je peux pas atteindre. Ok, bouge pas, je te rejoins. Ouais. J'adore, c'est comment il saute en mode Spider-Man et sa corde s'attrape, elle s'accroche directement à l'arme. C'est un peu du bullshit quand même ça. Par contre là, wow, la hauteur quoi. Je voudrais pas descendre. Allez, aide-moi. Bah, je vais t'aider mec, vas-y. Viens, je vais te hisser. Tu vas me hisser, d'accord. Je redescends par là. Ok. Merci frérot. Allez, pas. Allez. Super, merci. Voilà. Ok. Ça y est, le voilà. Le dortoir des moines. Encore deux ou trois sauts et on y est. Oh, tu vas nous porter la poisse. Mm-hmm. Putain, ils font vraiment tout sauter, quoi, ces mecs. Et on descend. Putain, je me prends en arme. Ça brûle un peu. Ah. On s'éclate bien là-dessus. Ouais, mais c'est pas le genre de choses que je ferais tous les jours, perso. Oh putain. Ok, par là c'est bon. On va faire ça toute la journée. Pour éliminer la guérilla. On va toujours vers le plus important. Bonjour les tics. Tu vas voir les tics. Je vais aller pisser pendant que tu fais la leçon au bleu. Alors comment ça s'est fini? C'est la révolte? Grâce à notre aide, il a réussi à la contenir. Mais une fois que l'argent s'est mis à manquer, ben, on avait de gauche, raison de rester avec droite. Lui. Et le général? Il a même pas passé. Ok. T'es prêt? Vous êtes sans pitié, les gars. Sam, là? Comme dit Nadine, les affaires, c'est les affaires. Putain, j'ai cru, Sam, que t'allais pas faire ton boulot, là. On va faire un peu mieux que ça, les gars. Essayons de continuer comme ça. Vas-y, on va continuer comme ça, poteau. Ça, c'est pas mal foutu, les herbes. On va essayer de passer. On va essayer de préparer ça, de passer ça tranquillement. Non, bon, je passe par mon chemin, mec. Patronne veut des résultats et elle est mieux pour y aller. Vous trouvez quelque chose? Il paraît qu'ils ont découvert des trucs. Et j'en sais pas plus. Ok. Nickel. Moi les mecs, y a personne d'autre. C'était quoi? Rien vieux. Ok, là y a la K47 qu'on peut récupérer. Ici par contre, on se peut se faire ce mec à la cagoule rouge. Cette petite scène, ça me fait penser tellement à Metal Gear. Un peu d'infiltration, ça fait du bien. Bien. Moi, perso, je kiffe les jeux d'infiltration, donc... Bah, ça, vous avez dû le remarquer avec toutes les let's play que je fais dessus.
même sur Far Cry, j'arrive à faire de l'infiltration à 100%, quoi. Donc, vous avez dû comprendre que je kiffe les jeux d'infiltration. Donc, si vous avez des jeux à me proposer en infiltration, ok, n'hésitez point. Ok, là ça va être un peu plus chaud. Obligé que quelqu'un entende tout ça. Allez, restons pas là. Non, on va se tuer. On va passer par là. Choisissons la voie. Tâche sagesse. Il faut de la débilité mentale en escalade. Hop. C'est parti, on remonte. Bon, là, ça va être un poil difficile. Ou pas. Hop, putain, faut avoir de la chance pour faire ce genre de choses. Putain, vas-y, tu vas l'attraper. Vas-y, Nate. Ok, nickel. On repasse par là. Nickel. Voilà, ni vu, ni connu. Voilà, je pense qu'on peut passer. Ah, juste derrière ces murs. Je pense qu'on puisse pas. On peut pas trop passer par là, du coup. On va passer par là. Et on descend. Doucement, frangin. J'ai failli me faire arracher les bras, tout ça pour me faire engueuler par ce petit connard. J'aurais dû le buter. Ce gars est à la tête de tout notre groupe. Qu'est-ce que tu crois que Nadine pourrait te faire? Moi, je me contentais de suivre ses ordres. Et alors? Qu'est-ce que tu crois qu'elle ferait? Elle m'aurait dézingué. Exactement. Respire profondément et repars de ton côté. C'est ça. Petit enfoiré, il croit qu'il peut me dire comment faire mon boulot? Non, je pense pas, je suis d'accord avec toi. Et du coup. L'américain, il est pas. Ça dit de soulager en bas? Minute. Attention, j'ai quelque chose. Ratisse la zone pour être sûr. Compris. Ok. Nickel. Alors, t'as vu quelque chose? Rien, tout va bien. Ouais. Ok. Voilà, filtration sur Uncharted. C'est vite, hein. Comme ça, hop. Après, tu montes. Et tu pousses le mec. Allez, faut pas traîner. Dans les graviers. Allez, saute. Saute, ma poule. Non, tu vas te suicider là. Oh merde. Putain. Ça c'est chiant ça. On va devoir trouver une autre solution pour réussir à monter. Du coup je parie les ennemis sont morts. Je parie les ennemis sont encore vivants mais. Au final non. Ils sont morts et toujours au même endroit. Ça c'est cool. Ok, donc là le seul moyen ce serait de passer par là ou de passer par là. Je vois ce qu'on peut faire. Il faut glisser là, saute là et là. On monte par là, hop là. Sam, viens par là. Ah, il faut trouver la solution quand même. Hein. Et après, on saute. Pas par là. Allez, je vais. Ok, voilà. Bon, c'est bon, j'ai quelque peu glitché, on va dire. Vas-y, par contre, bouge de là. Ouais, par contre, là, je vois pas comment on pourrait sauter.
Par contre, tu me bloques le passage, mec. Ouais, alors Sab, là, tu me bloques le passage, là. Voilà. Ok, je me disais bien la première fois, j'avais sauté un peu trop tôt. Voilà, c'est nickel. Et là, voilà, c'est bon. On a réussi à réaliser, à réussir ce petit... Ce petit... On peut pas vraiment dire petit. C'est quand même une énigme, on peut dire. Mais c'est pas vraiment une énigme, donc... Donc, j'ai pas à dire ça. Hop. Mais bon, faut quand même comprendre un petit peu... Au début, je me lançais dans autre chose. Complètement débile. Et là, bah, faut faire comme d'habitude. Vas-y, faut que... Voilà, c'est bon. Voilà, normalement. S'il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. T'es le frère. C'est encore mieux que le saut à l'élastique. Bah, tu m'étonnes. Déjà fait le saut à l'élastique. Non, mais c'est évident que c'est mieux. Ah, je me disais bien, on peut escalader. Alors, c'est à ça que tu t'amuses depuis toutes ces années, hein? Faire le sage sur des ruines? Ouais, ça et puis me faire canarder. Exploser. Frapper. Tabasser. Ok, ça va, j'ai compris. Poignarder. Ok. C'est vrai que comparer son frère à côté, c'est rien. Uncharted. Je l'avais appelé notre héros Uncharted, je sais pas pourquoi. En tout cas, Nate, franchement, c'est encore pire qu'Indiana Jones. Voire mieux. Au niveau des péripéties, bien sûr. Là, je crois qu'il faut faire comme tout à l'heure, en fait. Tu sautes, tu t'attrapes. Oh, barbe. Voilà, nickel. C'est parfait, ça. Et voilà le travail. Pas vraiment. Faut encore grimper plus haut pour traverser le ravin. Ce serait bien qu'on arrête un peu les glissades. Y'a des graviers plein de slip. Je me demande à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut passer par différents chemins? Où les développeurs se sont amusés. Oui, non. Voilà le portail du dortoir. Ouais, ça va être difficile de monter du coup. C'est ce que je me disais bien. Je pense qu'il y a moyen de... Il y a bien un moyen, c'est ça. Je me dis c'est pas là pour rien. Ok. Ok, c'est nickel. Voilà. J'ai fait ce que ça appelle le couillon. Allez, hop, on se concentre. Attention. C'est magnifique. Nate vient nous faire un saut de je sais pas combien de mètres. Voilà, il n'y avait pas du tout à avancer. En fait, il y avait juste à s'accrocher. Voilà. Et là, du coup, je pense qu'il faut aller faire le clou. Enfin. Nate serait parfait dans un cirque. Atterrissage impeccable. Je pense que s'il devait s'en convertir, ce serait dans le cirque. Sam, tu me donnes un coup de main? Ouais, il est un peu loin. Hein. On va prendre ton temps, gros. Allez. C'est bon, vas-y. Ok, allez. On y est. Je te le fais pas dire. Et voilà, nous voilà dans le temple des moines. N'est-ce pas magnifique? Incroyable. Non mais t'as vu cet endroit? Bienvenue au dortoir de Saint-Lismas, la prétendue dernière demeure d'Henri Avery. Allez, faut qu'on trouve cette tombe. Et Nathan, viens voir ça. Ah, c'est vrai, il avait une paire de sabres d'abordage. Un bouquin avec tout écrit dedans. Même des trucs sur Raif. Donc c'est pas mal de savoir. Attendez, on va tout lire. Comme sur le parchemin de la croix.
il note tout ce petit malin. Ah ouais, d'accord, je savais même pas qu'il y avait ça, pour vous dire. C'est toutes les infos sur l'émission, assez intéressantes, qui pourraient nous aider en fait. Du coup, par exemple ici, pour nous c'est justice, ouais, donc en gros t'as un peu les infos sur la mission, la carte, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Ah, c'est de la belle ouvrage, mais non, c'est pas les bonnes dates. Nous c'est 1659-1699. Ok les gars, on va chercher ça. Bon alors, il nous faut les épées croisées, la tête de mort et les dates 1659-1699. On trouve une tombe avec trois éléments et on est bon. Bon, allons profaner quelques tombes. Hawkins. C'est pas celle-là, va falloir continuer à chercher. C'est pas ce qu'on cherche, il n'y a pas de tête de mort. Mais il y a deux savants, c'est-à-dire que c'est un corsaire. Tempus et Dax Rerum. Le temps détruit tout. Eh ben, on est tombé sur une bande de joyeux lurons. Ça c'est sûr. Donc faut chercher un tombeau en fait. Qu'est-ce comme tombeau celui-là? Non, y a rien écrit dessus. Là non plus. Et écoute, on va suivre quand même là. Petit ange Marie. Non, là y'a rien. Là c'est des tombes toutes simples, faut pas les regarder. Bon, ça va être une bonne chasse au trésor là. Apparemment Rafe a déjà creusé partout. Oh, super. Heureusement pour nous qu'il n'a aucune idée de ce qu'il cherche. Ah ouais, mais il pourrait avoir un coup de chance. Espérons que non. Il fait beau de dessin, Nate. Donc, s'il a cherché par là, est-ce qu'il a dû chercher un peu partout? Alors... Putain, ici, il y en a un autre. Oh, les épées correspondent. Voyons voir. Non. Sans... Oh, putain. Il était non. Presque. Pas les bonnes dates. Alors, ensuite, il doit en avoir d'autres. La date est bonne, mais les épées sont à l'envers. Donc c'est pas bon. C'est pas la bonne. c'est pas celui-là. Non, mauvaise date et les épées ne correspondent pas. Faut que ce soit des épées à l'envers, si je me rappelle bien. Avec une tête de mort. Donc, il y a celle-là. Ok, les épées correspondent. Et l'année aussi. Sam, viens voir. On l'a trouvé. Tu l'as trouvé? Regarde, Benjamin Bridgman. C'est le pseudonyme d'Avry. Il y a un truc qui cloche avec ce crâne. Comme si c'était un élément rajouté. Bah oui, tu veux que je te dise ce qui cloche? C'est que c'est pas le sceau d'Avry. Ouais, voilà. En fait, ce crâne, il devrait... être de profil. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Prêt à y aller? Ça, c'est cool. Tant que je suis prêt. J'adore les histoires de pirates, alors là, j'ai envie de découvrir ce, qu'on a, ce trésor. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un peu glauque. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode et qu'on se retrouve aux prochains épisodes, les amis. Comme ça, on aura tout le temps d'exploser la grotte sans avoir de temps mort, si on peut dire. Sur ce, on se retrouve rapidement. Bisous.